Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est aujourd'hui réunis à la Bastidette. Donc là, on va voir un match de pétanque qui va voir s'affronter le club de Carbone qui joue en jaune et noir et le club de Lavernoise qui joue en rouge et noir. Donc là, c'est la Vambonne. Ces deux équipes sont à deux parties pour se qualifier pour la Haute-Garonne. Et c'est Fabien pour Carbone qui va entamer cette partie. Allez, c'est Nicolas Mirouz pour la Bernoise. Allez, belle reprise là de Nicolas. Il y a trois malins en moto qui sont passés comme des ânes. Derrière nous. Allez, c'est frappé à sa deuxième pour Rénal. Il a redonné le point à son équipe. Allez, c'est maintenant Jérémy Vella pour la Vernoise qui va au rond. Il reste 3 boules dans les mains de la Vernoise. Et celle-là, elle est restée courte. Et celle-là, elle a piqué à l'équerre. Et bien le point est conservé par Carbone. Il leur reste 3 boules pour essayer de rajouter. Allez, c'est Fabien pour Carbone. Allez, Fabien. Celle-là va coter aussi. Et c'est Rénal qui va clôturer cette main. Cette première main. Avec 4 points pour Carbone qui entame bien sa partie là. Carbone,
dessert au prix pour Nicolas, je crois. Oui. Très bien tiré de la part de Jérémy. Celle-là, s'est échappée là pour Fabien. C'est au tour de Rénal du coup de jouer. Une boule qui a mal piqué là. Ce coup-ci c'est repris. Et c'est Jérémy Vella pour la Verneuve qui va au rond. Allez, c'est frappé pour Jérémy. Il redonne le point à son équipe. Il reste 3 boules dans les mains de la Verneuve pour essayer de rajouter du point. Allez, celle-ci elle va compter pour Nico. Points du coup, ce qui mène la marque à 4 pour Carbone et 3 pour la Verneuve. La Verneuve qui réduit l'écart, qui recolle, qui revient à un point. Et nous allons attaquer la troisième main. Allez mon copain, continue. Allez Pablo. Le point est conservé par la Verneuve.
Bravo, bien. Et ce coup-ci, elle est rentrée là pour Fabien à sa deuxième. Bien, Fabien. Ah, très bien tiré de la part de Jérémy. Allez, encore. Allez, il reste trois boules dans les mains de Reynald là pour Carbone. Et c'est gagné. Il a fait la reprise. C'est bien tiré de la part de Jérémy. On s'est battu pour le village. Ça vous est passé maintenant. C'est repris une nouvelle fois. Il y en a assez. Le point est conservé par la Vernoz. Et là, l'occasion à Nico de venir ajouter un point. Ouais, mais tu vois, si je tape, je vais gagner le point. Et ça fait un point supplémentaire pour la Vernoz qui vient égaliser du coup 4 partout à l'issue de cette troisième main. Et on s'appelle pas du bon. Qui s'est échappé là pour Fabien. Yep. Un terrain qui répond pas forcément comme on le veut à chaque fois. Ici à la Bastidette. Thank you.
C'est pas gagné, mais à peut-être permettre à Reynald de tirer. Ah, c'est frappé la deuxième pour Reynal. Ah, belle reprise là de la part de Nico là. Ah, c'est bien frappé là, de la part de Reynal. Ça fait un carreau. Ah, c'est rendu. Très bien tiré à son tour pour Jérémy Vella. Et Fabien qui le rend à son tour. Ah, celle-là qui a mal piqué pour Nico, malheureusement. C'est échappé à droite là-bas. Carbone n'a plus de boules, il en reste deux dans les mains de la Vernoise. Il y a deux points par terre pour Carbone. C'est Carbone qui marque. Alors, je sais pas s'il y en a un ou deux. Alors deux points du coup pour Carbone, ce qui mène la marque à 6 à 4. 6-4 pour Carbone. Allez, c'est confirmé, on me dit dans l'oreillette qu'il y a bien 6-4. Allez, début de la cinquième mène, 6 à 4 en faveur de Carbone, et c'est Carbone qui entame avec Fabien. Belle entame là de la part de Fabien. De l'eau. Ce soir, on y part. Avec un gars qu'on fume. Ah, belle reprise là de la part de Nicolas Mirouz. Oh,
Ah, c'est moi qui est triple là pour Reynal. Il reste deux boules dans les mètres de carbone. Une boule qui venait bien là pour Fabien. Il a effleuré la boule de Nico qui a le poil là. Et il s'est arrêté juste derrière. Ah, il reste 5 boules en même pour la Vernoise. Pour essayer d'ajouter. Elle s'est bien tirée la première pour Jérémy. Il y en a un ou deux par terre. Allez, il tirait à deux. Il a fait de la place à Nico qui a deux boules de rajout là. Alors ça fait 4 points pour la Vernoise. 6-8. Ce qui mène la marque à 6 pour Carbone et 8 pour la Vernoise. La Vernoise qui repasse au devant. Fabien pour Carbone qui va essayer de faire la reprise.
coude qui a mal piqué là. C'est arrêté sur la ligne là-bas, je sais même pas si elle est bonne. Appel reprise de Fabien sur sa troisième. Appel de score, toujours 8 pour la Vernoise, 6 pour Carbone. Bien frappé là, de Jérémy encore. Le point conservé par la Vernoise. Ah, celle-ci, elle a repris. Ah, bien tiré une nouvelle fois là. Il a cadré, je crois qu'il s'en est fait deux. Ah ben c'est fini, victoire de la Vernoise qui l'emporte sur le score de 13 à 6 contre Carbone. Ah, ils ont fait une belle mêlée à la fin là. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, ça ne mange pas de pain. Et je vous dis à du chat.